avec l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, pour changer et varier les plaisirs, je vais arriver de manière un peu différente. Et vous allez voir qu'à la fin, on va tirer sur des choses tout à fait étonnantes. Je le précise, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas informaticienne, je ne suis pas ingénieure. Moi, je suis juste un petit peu philosophante. Donc, je suppose que parmi nous, il y a certainement des gens qui en savent bien plus que moi en matière de robotique. Moi, j'ai drainé des informations, essayé de comprendre comment tout ça marche, et surtout, d'abord, comme je vous l'annonce dans mon petit papier, de quoi parlons-nous quand on parle d'intelligence artificielle. Je discutais de tout ça, parce que j'ai discuté avec plein de gens à ce sujet, et il y a quelque chose à un moment donné qui m'a interpellé, un début de discussion qui dit « mais l'IA, l'intelligence artificielle n'existe pas encore ». D'accord, je me suis dit « ok, on va voir ce que c'est que cette intelligence artificielle ». Alors je voudrais introduire, je pense que finalement, après un moment de cogitation, on peut introduire quatre définitions différentes, enfin quatre approches différentes de cette intelligence. Je mets artificielle, naturelle, le contraire de l'artificiel c'est l'intelligence naturelle, l'intelligence biologique, et ça c'est le terme des neurologues, et l'intelligence humaine. Alors pourquoi toutes ces distinctions? Parce que sinon on ne comprend rien. Donc l'intelligence artificielle, on va accepter l'idée que c'est une intelligence qui résulte de la fabrication de machines par l'homme. Cette intelligence artificielle, si on veut l'appeler intelligence, devrait se rapprocher d'une intelligence naturelle en la reproduisant. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Pour le moment, on essaye de reproduire les mécanismes de l'intelligence de l'homme. Sauf que justement, ces mécanismes, on ne les connaît que de manière très partielle. Et donc, ils essayent de reconstituer artificiellement ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau sur un plan biologique. C'est-à-dire qu'il y ait des connexions qui se fassent spontanément. Ça, on y arrive. Ils le font. C'est-à-dire que dans l'intelligence artificielle, je donne un certain nombre d'éléments dans la machine, quoi, enfin dans le programme en réalité, et j'apprends, enfin cette machine est capable, par comparaison de données, de produire de nouveaux rapports. Raisonner, c'est ça. Raisonner, c'est la capacité que nous avons à mettre des éléments différents en rapport les uns avec les autres pour établir une conclusion, étendre, amener une nouvelle connaissance. C'est ça, raisonner. Bon, ça, la machine le fait, elle raisonne. Parce qu'elle a toutes ses données, elle va beaucoup plus vite que nous, elle peut approcher un problème de différents angles, mais dans la même seconde ou milliseconde, alors ce que nous ne savons pas faire. Donc en ce sens, on peut dire, ah ben oui, la machine sait des choses et produit un savoir. Mais c'est vraiment dans le cadre de la copie de ce qui se passe dans le cerveau humain, et je dis bien le cerveau humain. On a reproduit ce mécanisme. Nous sommes sur le terrain de la connaissance. Et là, je pense qu'en effet, on a affaire à des machines qu'on a fabriquées nous-mêmes, hein, ce n'est pas des extraterrestres non plus, hein, qui sont capables, effectivement, d'identifier des connaissances, des éléments, de les mettre en rapport et d'établir de nouveaux rapports. De nouveaux rapports, voilà. Donc tirer des conclusions, etc., etc. Bon, dans ce sens-là, je suis d'accord. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce serait ça. En comparaison de l'intelligence naturelle. Alors, en comparaison, c'est une copie de l'intelligence naturelle. Alors, l'intelligence naturelle, ce n'est pas encore tout à fait l'intelligence humaine. Alors, je vais parler de l'intelligence humaine, peut-être. L'intelligence humaine, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Donc, on est en difficulté, nous, philosophants, parce qu'on n'utilise quasiment jamais ce mot avant le siècle dernier, quoi. Parce que nous parlons de raison, nous parlons d'entendement, nous parlons... De compréhension. Oui, mais c'est grâce à notre entendement et notre raison qu'on arrive à comprendre. Mais, du coup... Mince, ça y est. Il n'y a pas longtemps. Comment? Voilà, et il est surtout dans le domaine des sciences. Hein. Ce sont les scientifiques qui l'utilisent. En psychologie également, hein, on détecte maintenant, enfin on identifie différents types d'intelligence, alors que nous, philosophes, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On a des éléments dans notre esprit qui nous permettent d'assembler
et de penser. Et nous avons, ça pour ceux qui sont déjà venus, nous avons, comme vous le savez donc déjà pour certains, trois manières d'être au monde. Je suis sujet connaissant, et là la machine fait comme moi. Nous sommes sujet agissant, alors on essaye de la faire agir, mais de manière rationnelle, ça c'est un autre problème. Vous allez voir, je vais vous raconter des anecdotes trop marrantes. Bon, bref. Et puis, nous sommes sujet esthétique, c'est-à-dire sensible à la beauté, au sublime, etc., etc. Donc là, la machine, pour l'heure, elle n'y est pas du tout. Or, qu'est-ce qui va faire que je vais construire ma pensée, ma réflexion? C'est la perception, on en parlait le mois dernier, la perception que je vais avoir du monde. Cette perception, c'est déjà de l'intelligence, c'est déjà de la fabrication d'images qui font sens, et c'est une manière de donner sens à ce que je vois, entends, ce que je vis. Kant nous dit, toutes nos connaissances commencent par les sens. Ça veut dire qu'il faut que je sois en contact avec le monde pour commencer à le penser et le construire. Le monde que je connais n'est que construction de mon intelligence, on va dire, peut-être aujourd'hui. Mais à chaque fois, chez Kant, et c'est ça, c'est là que je trouve qu'il n'est pas inintéressant, c'est que quand je suis le sujet connaissant, c'est mon imagination qui me présente le monde et mon entendement qui, avec ses catégories, me permet de comprendre la logique, en fait, on peut dire, hein, pour faire vite. Relation de cause à effet, tout ça, ce sont des choses que je, bon, qu'on aurait déjà, nos catégories, dans notre intelligence, donc. Quand on est le sujet agissant, c'est la raison qui travaille pour nous et qui nous donne des repères pour identifier la valeur morale, c'est la morale ici, qui détermine la valeur morale de mon action. Bon. Et chez lui, je conditionne ma liberté, mon autonomie. Hein, liberté, l'autonomie, c'est la liberté métaphysique, hein, c'est la capacité que nous aurions à nous déterminer absolument par nous-mêmes, sans subir donc aucune forme d'influence ou autre. Alors ça, on n'y est pas encore. Et en plus, en étant vertueux, moral. Alors là, on y est encore moins. Bon, donc l'humain a différentes formes d'intelligence, ok. Nous avons des facultés de pensée différentes. Et là où nous sommes vraiment créatifs, si j'en crois Emmanuel Kant, c'est quand je suis le sujet esthétique qui met en jeu l'imagination, l'entendement ou l'imagination et la raison. Donc, j'entrouvre la porte sur la question de la création, de l'invention, de l'innovation, etc., etc., etc. Là, la machine, pour l'heure, nada, hein, rien du tout. Bon. Et pourtant, je me dis, mais au fond, la pensée n'est-elle pas toujours portée ou supportée par l'imagination, la créativité, l'invention? Si tel est le cas, la machine ne pense pas. Elle reproduit des mécanismes de connaissance. Alors, tout à l'heure, je disais, ça, ce sera pour l'humain. L'intelligence naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler l'intelligence naturelle? Ah oui, ah si, si, j'ai oublié un truc. Donc, toutes nos connaissances commencent avec nos sens, et ensuite, je mouline tout ça dans ma machine, mon esprit, pour produire une connaissance, par exemple. Bon. Si je n'alimente pas cette intelligence humaine, même chez les philosophes, si je ne donne pas de matière à travers mon expérience, donc mes sens, je ne peux construire aucune connaissance. Toutes nos connaissances commencent par les sens. Je pense que pour l'humain, c'est assez juste. Il faut que je perçoive pour connaître et comprendre et penser. D'où la problématique qu'on va essayer d'aborder après, la question, peut-on penser sans corps? Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'une pensée se construise et produise quelque chose d'absolument nouveau, invente encore quelque chose, sans corps, sans ce rapport au monde? Vous allez me dire, de toute façon, les robots ont un corps puisqu'ils ont des yeux, ils ont des caméras, on entre des images comme on entre des données. Oui, il manque des dimensions, sensibilité, sensation, affect. Tout ça, ça construit aussi notre pensée. D'accord? Bon. Alors, intelligence naturelle. Intelligence naturelle, là, on va se tourner vers l'animal. L'intelligence naturelle,
me semble-t-il, hein, alors là je me réfère à personne parce qu'on est sur un terrain de jeu un peu récent quand même, hein, donc moi je n'ai pas tout lu, encore loin de là. Bref, intelligence naturelle, c'est l'intelligence de l'animal qui se ressent, qui se rapproche, si on veut, de ce qu'on appelait la conscience. La conscience de l'animal, la conscience d'être dans un monde, conscience de ses besoins, un dispositif naturel de survie, d'organisation de l'habitat, etc., etc. Une intelligence naturelle qui ne résulte pas d'un apprentissage. Nous, notre intelligence, on a les bases, on a les, comment on dit, le germe, les germes de l'intelligence en nous, peut-on dire, et il faut l'alimenter et qu'elle croît. L'animal, ses connaissances lui sont naturelles, donc sa forme d'intelligence est naturelle, c'est cette distinction que j'introduis. Il n'est pas content, monsieur Lepage, mais on verra après. Il n'empêche que je n'ai trouvé que cette définition pour l'intelligence naturelle. Sommes-nous naturellement, avons-nous développé nos connaissances, notre sensibilité, notre manière d'agir et d'être sensible à la beauté du monde de manière naturelle? Très sincèrement, c'est culturel. Ça, je ne sais pas qui pourra me dire autre chose que ça. C'est culturel. Et je ne pense pas de la même manière en fonction de la langue maternelle que j'ai apprise, en fonction de l'environnement dans lequel, le pays dans lequel je suis née, le rapport que j'ai eu au monde et aux autres, suivant mes cultures, etc. Et ça, c'est donc fabriqué. C'est donc artificiel, en ce sens. Naturel, donc l'animal, lui, il n'a pas besoin d'apprendre, il a cette intelligence instinctive, on pourrait dire, qui ne résulte pas d'un apprentissage et d'une construction. Et puis il y a l'intelligence biologique. Alors ça, je me suis dit, ah ben oui, alors d'accord, intelligence biologique, mais c'est quoi finalement? Eh bien, c'est le cerveau, en fait, cette intelligence-là. Bon, alors évidemment, on a des neurones, je crois, je ne sais pas où, enfin bref, on a des circuits. C'est dans le circuit, mais c'est dans le corps. Et mon cerveau, c'est un organe qui a son mode de fonctionnement, ses connexions, qui sont spécifiques à son organe. Il ne fonctionne pas comme mon cœur qui est ma pompe, il ne fonctionne pas comme mon foie qui est mon filtre, etc., etc., etc. C'est un organe qui a son mode de fonctionnement et qui produit quelque chose à partir de son fonctionnement, comme de la pensée, qui, elle, pour le coup, même si on voit selon que je rêve, selon que je travaille, selon que je suis triste, que je subis des événements ou autres, des zones du cerveau différentes qui fonctionnent, mais ça reste organique, ça reste mécanique. Si on veut se rapprocher de l'ami Descartes. N'est-ce pas? Le corps est une machine qui marche super bien. Qu'est-ce qu'il disait finalement? La mécanique du corps de l'animal est bien plus performante que nous. Parce que l'hirondelle qui fabrique son nid, elle le fait parfaitement bien. Alors que nous, on est intelligents, beaucoup plus intelligents. Mais alors, on est des incapables. À côté de ça, la perfection de la machine du corps de l'animal, c'est ça, donc l'animal-machine, sauf que c'est une machine parce qu'il n'y a pas de pensée, etc. Bon. Mais peut-on penser sans corps? Ça, moi, franchement, ça me tracasse, cette idée. Bon, donc déjà, ces différentes distinctions, et pour l'instant, quand on parle d'intelligence artificielle, à ma connaissance, on ne parle que de mécanismes qui reproduisent le mécanisme de la connaissance chez l'homme. Mais pour l'instant, pas de plus, et pas plus. Et en particulier, la faculté qu'on sait machine à comparer des données entre elles, et c'est fabuleux. Quand on parle de la reconnaissance faciale, on se dit « Ah putain, c'est trop fort, il nous regarde, et puis il sait qui on est, quoi !» Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. L'image arrive dans la machine, c'est super difficile à expliquer sans se tromper de mots. Hop, votre image arrive, et puis alors elle va chercher toutes celles qu'on lui a déjà entrées dans sa mémoire, et par comparaison, mais à une vitesse fulgurante, c'est fabuleux, quoi. Là, la temporalité des ordinateurs ou des programmes, c'est extraordinaire, nous on n'y arrivera jamais. Est-ce que c'est ce qui doit nous faire peur ou pas? Je sais pas. Les animaux sont mille fois plus performants que nous pour faire certaines choses. Eh ben, on produit des machines qui sont hyper performantes quant à la question de la connaissance, l'enregistrement des données et l'analyse des données en question. C'est génial, en fait. Alors quoi ? Ah oui.
cette idée justement d'intelligence naturelle qui reviendrait aux animaux, bon, qui ressemble aussi à la nôtre, mais nous, l'instinct, enfin l'action instinctive chez l'homme, moi je ne sais pas ce que c'est trop, j'y ai pensé en relisant un texte de Bergson, quand il pose la question de la technique, j'ai dû l'évoquer déjà, et lui dit, à partir du moment où il y a inférence, il y a intelligence. À partir de là, je peux dire qu'il y a une intelligence artificielle qui appartient aux ordinateurs, parce que l'inférence, c'est quoi ? C'est je prends deux éléments et j'en conclus un troisième. Voilà. L'inférence, ben le syllogisme bien connu, Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Eh bien, voilà, j'ai deux prémices et je tire ma conclusion. Bon, la machine sait le faire, ça. Hein ? Elle établit ces rapports-là. Mais c'est tout. Et Bergson dit, l'inférence, certains animaux supérieurs savent le faire. Le renard reconnaît un piège. Qu'est-ce qu'il cite comme autre animal ? Je ne sais plus. Un autre, l'éléphant, je crois, qui est capable d'identifier, donc d'établir des rapports qui n'existent pas dans l'absolu, comme ça. Hein ? Donc, d'une intelligence. Alors, ok. Donc, l'intelligence artificielle, finalement, ne procède que par mimésis, par copie du fonctionnement biologique du cerveau humain. C'est ça qui est intéressant, me semble-t-il. Elle copie le fonctionnement biologique de notre cerveau. Ils ont compris comment ça connectait et ils font connecter artificiellement. Un truc qui est complètement... qui est du programme, en fait, ou du chiffre, ou je ne sais pas quoi, du signe. Alors, elle raisonne, ça, nous sommes d'accord. Donc, la machine, sur le terrain de la connaissance, est absolument passionnante, l'intelligence artificielle, parce qu'elle va produire des connaissances à une vitesse bien supérieure à la nôtre. Et ça, franchement, c'est une conquête supplémentaire, de l'homme sur la nature. Plus je vais connaître, mieux je vais me porter. Nous répondons toujours à l'invitation de Descartes, l'homme doit se rendre maître et possesseur de la nature. On a fabriqué un outil, enfin on est en train de travailler sur un outil intelligence artificielle qui va nous permettre de découvrir des choses que le cerveau humain, à lui seul, ne peut pas comprendre. Il faudrait plusieurs vies, quoi. Alors on a fait l'objet, enfin l'intelligence artificielle, qui peut ingurgiter tout ce que le monde entier, le monde humain a produit comme connaissance. On peut lui donner, et à elle de travailler, en fonction des questions qu'éventuellement on peut lui poser, de travailler pour trouver de nouvelles réponses, quoi. Génial. Bon. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, en matière de connaissances, la machine va aller mieux et plus vite que nous. Problème, va-t-elle pour autant inventer ? S'agit-il pour autant d'invention ou de mise en rapport logique ? On est dans l'ordre des raisons, quoi. Voilà, tu fais un discours, le sens, la machine ne sait pas ce que c'est. Une phrase qui fait sens ou pas, elle ne sait pas. Ça, c'est étonnant, parce qu'elle produit des connaissances, mais en fait, elle ne comprend rien à ce qu'elle fait. C'est ça qui est fabuleux, parce que ça n'est que des similitudes, enfin des reconnaissances, en fait, qui produisent donc des liens qui n'existaient pas. Mais c'est tout. Donc, est-ce qu'on appelle ça penser ? Ça, moi, je ne crois pas. Elle ne pense pas. Il y a une intelligence, oui, parce qu'il y a cette inférence dont parle Bergson en reconnaissant l'intelligence des animaux. Et nous, dans notre dynamique d'invention technique et de découverte technique, eh bien, on est tout à fait dans la lignée de ce que nous faisons depuis toujours. Améliorer nos techniques, les transmettre de génération en génération, inventer de nouvelles méthodes, etc. etc. Et nous changeons avec l'évolution des dites technologies. Oui ? Donc, moi, il me semble qu'il n'y a pas il n'y a rien d'inouï dans ce qui se produit avec l'invention ou le travail qui est fait sur l'intelligence artificielle. Dans l'absolu, philosophiquement parlant, je n'ai pas de problème. Ça me va, hein, on me donne un outil qui va m'aider sur le plan de la connaissance. Bah, tant mieux. Plus je saurai, mieux je vivrai. Le bonheur est lié à la connaissance, n'est-ce pas ? Tiens, alors... Attention, parce qu'après, je ne vais plus savoir ce que je dois dire. Juste, j'en ai plus pour très longtemps, parce qu'il y a tellement de choses à dire que je vais aller un peu vite. Alors, question aussi,
En quoi est-ce que cette capacité fulgurante de découvrir de nouvelles choses, donc d'élargir notre compétence cognitive et nos connaissances, en quoi est-ce que ça va nous changer? En quoi est-ce qu'on va être déterminé différemment dans notre... Eh bien, c'est très simple. Moi, je me suis dit, il y a des choses très simples. Hein. La philo, c'est pas toujours très compliqué. Hein. Juste avoir deux, trois petites ficelles. Je me suis dit, bon, où est-ce qu'on va commencer par sentir les effets de ce progrès technologique fulgurant? Puis je me suis dit, mais dis donc, il va peut-être falloir repenser l'école. Comment est-ce qu'on va expliquer que on va prendre un tas de connaissances comme ça, alors même que je vais avoir très très vite hein, des petites tablettes, il y en a déjà. Hein. Okay, on dit, ah oui, la Révolution française, c'était quoi déjà? Clic, clac, clac, paf, et on a le truc. Pourquoi est-ce que moi je vais apprendre ça et être obligé de faire des interros écrits, des trucs, des machins? Pourquoi? Puisque si je veux le savoir, je l'ai là. Alors, ok, il y a une chose dont on ne pourra pas faire l'économie, c'est le langage, l'écriture, la lecture, les mathématiques. Tout ça, on ne peut pas en faire l'économie. Parce que si tu n'as pas ces outils-là, c'est impossible. Tu ne peux même pas t'exprimer, tu ne comprends rien de ce que tu racontes. Et c'est le cas aujourd'hui. Hein. Y a des jeunes qui disent des choses, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils veulent dire. Et quand on remet en place du vocabulaire, tu dis, mais non, madame, ça ne veut pas dire ça. Eh bien, si, ça veut dire ça. C'est vous qui changez le sens des mots. Voilà. Donc ça, il faut que ça se consolide, que ça s'installe, et puis c'est ce qui nous permet d'accéder à la poésie, à la littérature, bref, à la philosophie aussi. Hein. Et puis n'oublions surtout pas ce que disait Lavel, la pensée sans langage n'est pas une pensée plus pure, mais une intention de penser. La machine ne pense pas, la machine ne parle pas. Ah, mais si, elle parle. Regarde, déjà quand tu téléphones au, je sais pas comment ça s'appelle, Pôle emploi, ou à la caisse familiale de... Aidez-moi. Les allocations familiales, à tout ça, à la sécurité sociale. On te parle, mais c'est bizarre. Hein. Mais répondez-moi plutôt, appuyez sur la touche 2. Ok, voilà. Mais ça ne pense pas. Ça ne pense pas, ça ne sait pas ce que ça dit. C'est un programme, hop, et on l'entend bien, hein. Mais ça va passer, hein. C'est fini, maintenant ça y est, on sait faire parler une machine exactement comme nous parlons, sauf qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est ça qu'on oublie. Et j'ai pensé un truc hier soir, je me suis dit, mais en fait, avec ces machines, pourquoi elles nous font peur? Pourquoi il y a toujours cette crainte de se dire, mon Dieu, mais alors, il y a plusieurs raisons. Mais déjà, il y en a une qui m'a semblé... presque évidente, peut-être qu'elle va vous paraître complètement farfelue, mais moi je me suis dit, mais en fait, de quoi a-t-on peur? Que la machine prenne le pouvoir sur nous? Je me dis, c'est bizarre comme peur quand même, parce que ce sont des outils qu'on fabrique, quoi. Donc est-ce que je comprends pas. Il faudrait que tout ça fasse sens pour ces machines. Alors le sens, elles savent pas ce que c'est. Hein, elles philosophent pas les machines. Hein. Non, non. Et je me suis dit, peut-être que cette peur trouve son origine dans la manière que nous avons de nous projeter sur les objets qu'on produit. Et en fait, on ferait de l'anthropomorphisme sur les machines, les robots. En plus, on veut leur donner leur figure. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un truc, mais c'est un truc de fou. Bref. Donc, je me suis dit, tiens, première cause de la peur, c'est qu'on les prend pour des humains. Puis on dit, elles vont devenir humaines à notre place. Elles vont nous faire disparaître. Et puis, c'est la science-fiction qui part et tout ça, là. Puis je me suis dit, oui, est-ce que c'est suffisant? C'est douteux quand même comme argument tout seul. Et je me suis dit, alors qu'est-ce qui pourrait faire qu'on a peur? Et j'ai pensé à l'utilisation que nous faisons des techniques, des technologies que nous découvrons. Et j'ai pensé, même si c'est un peu vieillot maintenant, à Hiroshima, Nagasaki, la bombe atomique. Et j'ai repensé à un sujet de bac, comme quoi ça sert aussi d'être prof des fois pour continuer à réfléchir. Un sujet de bac qu'ils ont donné il y a 2-3 ans, qui était... Une vérité scientifique peut-elle être dangereuse? Alors évidemment, la jeunesse, bah bien sûr madame, une vérité en elle-même ne peut pas l'être. Une vérité est une vérité, point final, elle dit ce qui est. Et puis c'est tout, aussi complexe soit-elle, n'est-ce pas? Mais dangereuse en elle-même, pas du tout.
Ce qui va devenir dangereux, c'est l'usage. C'est ça qui devient problématique. Cependant, je me suis dit aussi, il y a un autre truc, c'est que on voit bien que les machines nous remplacent. Et on n'a pas attendu l'IA, les robots, quoi, on n'a qu'à voir dans les usines. Le travail à la chaîne, c'est fini, il n'y a plus d'humains. Ce sont des robots qui font le boulot. C'est super génial! Franchement, travailler à la chaîne, en usine, c'est au secours! On nous remplace par des robots. Super! Sauf que, on avance côté technologie, et puis au niveau de la société, sur un plan sociétal, on n'avance pas. On reste dans les mêmes schémas. Il faut bosser 8 heures par jour, il faut gagner ses sous, il faut ci, il faut là. Mais enfin, mais c'est aberrant! C'est ça qui est idiot, c'est qu'on trouve le moyen d'alléger la charge de travail des hommes, mais on leur laisse la même. Et on entend parfois s'articuler des phrases par des politiques qui vous disent « travailler plus pour gagner plus ». Mais tu te dis « mais ils n'ont rien compris ». L'humanité dans son cheminement et ses progrès, c'est exactement le contraire, le contraire de l'évolution. On a oublié d'avancer sur un plan social, sur un plan culturel. On est dans des vieux schémas, alors que nous avons produit le moyen de vivre sur d'autres schémas. Au contraire, de continuer à travailler tous autant que nous sommes, moins ou différemment. Travailler moins, ça n'a pas de sens, on travaille tout le temps en réalité. Bon, il faudrait redéfinir le travail, ok. Mais je veux dire, le travail physique, douloureux, pénible, le labeur comme ça, bon, on a des machines qui le font à notre place, c'est génial. C'est surtout les Chinois qui font le boulot à notre place. Attends, moi chez moi, j'ai une machine à laver, le linge. C'est génial. Évidemment, j'ai même un sèche-linge. Le truc, tu prends ton linge, tu fais comme ça, tu claques, tu t'en vas, puis tu reviens 2 heures après, tu plies tout, tu n'as même plus besoin de repasser. Trop bien. Enfin bref, donc ces machines nous aident. Les robots aussi. Parce que franchement, souvenons-nous de comment c'est le petit film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Franchement, il y a de quoi devenir fou à travailler à la chaîne. Et mais c'est extraordinaire qu'on fasse faire ça par des machines, franchement, dans l'absolu. Et oui, mais l'absolu, c'est pas la vraie vie en même temps, hein. T'as vu. J'ai dit oui, mais ça c'est un problème de société ou un problème politique. De volonté politique, là bien sûr, évidemment, à un moment donné, on va se rencontrer, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà. Et alors donc, ces peurs qui nous viennent, elles nous viennent aussi quand même de certains usages qui sont faits des robots ou de l'intelligence artificielle qui peut faire peur. Par exemple, alors je ne sais pas si c'est au Japon ou aux États-Unis ou autre, dans les maisons de retraite où on met les vieux, pour leur tenir compagnie, on met une machine, un robot. Alors on lui donne vaguement un aspect peut-être un peu humain, histoire que ça soit plus cool, quoi. Et ils peuvent discuter, converser le langage, hein. Converser avec, dire oui. Mais le problème, c'est qu'en réalité, la machine n'est pas intelligente. Elle a des phonèmes qui arrivent, qu'elle identifie, qu'elle classe, elle établit des liens, elle dit « Ok, à ça, je réponds ça. » Mais elle ne sait pas ce qu'elle dit, cette machine. Vous voyez ? Cependant, si ça peut améliorer l'état de santé mentale de ces personnes, c'est pas mal, quand même. Hein ? Alors là, justement, ça fait peur. On se dit, ah oui, c'est peut-être bien quand même. Mais alors, à quoi je vais servir, moi, mon lien avec autrui, si les machines le font à ma place? C'est flippant quand même. Mais non, c'est pas flippant du tout. Parce que nous avons justement notre regard humain. Et ça, le regard, l'échange, le ton de la voix, le sens que l'on donne aux mots, la tonalité, la musique, tout ça, c'est à nous. Bon, bref. Donc ça fait peur quand même aussi, parce qu'on se dit, je suis remplacée par la machine, pas seulement pour des tâches laborieuses et pénibles, où là j'ai vraiment bien, mais aussi dans ma présence d'humain. C'est-à-dire que on élimine l'humain et on met une machine à la place qui répond automatiquement en réalité. Hein. Y a ça, et ils l'utilisent aussi donc dans les maisons de retraite. Ah oui, et dans certains foyers, alors ne me demandez pas où c'est, parce que à travers tout ça, moi les liens, des fois, ça... Je ne suis pas une machine, donc. Ils mettent ça. Les gens peuvent avoir ça chez eux. Et ce sont des machines qui leur servent de psy, qui fait de l'analyse des rêves, par exemple. Donc le matin, ils se lèvent. Et tout en déjeunant, j'ai
J'ai rêvé que j'étais au fond d'une piscine, mais en fait, c'était une cuisine, et j'ai pas compris, il y a une foule qui est arrivée, et en fait, j'étais emportée dans la mer. Et là, la machine établit les liens, pareil, on lui a rentré des données, on dit tel mot, ça renvoie à ça, 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 ça. Puis en superposant plusieurs liens, plusieurs mots, tac, 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 elle donne une réponse, analyse du rêve. Tac, mécanique, mécanique. Il y a rien de psychologique là-dedans. Hein. C'est l'humain qui a mis tout ça dans la machine, et puis bah, c'est la machine qui établit ses liens. La machine qui va aussi dire remplacer le médecin. Tu te mets devant le truc, là, il te sonde complètement, il voit où est-ce que ça décolle, il dit, bon, ben, vous avez ça, et puis, hop, les médicaments à prendre, c'est ça. Ça fait peur aussi. Pourquoi ? Je me suis dit, ça fait peur, parce que tu dis, et si la machine se met à déconner ? Et si d'un coup, elle me donne un diagnostic qui n'est pas du tout bon ? Et puis que finalement, elle me donne des trucs, je ne sais pas quoi. Bah, et l'humain ? Et le médecin ? Il peut se planter, lui aussi. On en a tous des cas comme ça d'erreurs chez nos proches et parfois pour nous-mêmes. Ou, ah ben, c'est pas le bon médoc. Ah ben non, c'est pas ça. Ah, ça marche pas. Ah ben, c'est que c'est autre chose, alors. On va chercher encore. C'est vrai. Comment ? Le bon médoc est mauvais. Ou le bon médoc est mauvais. Bon, il me coupe, je vais pas réussir à aller bout. Alors, il y a un autre aspect aussi... Ok. Il y a un dernier aspect donc sur lequel je vais venir avant d'attaquer le robot et l'art. La question des questions d'ordre éthique qui sont soulevées. Ah pardon. Bah oui. Le problème, c'est que j'avance, cette espèce de machine m'absorbe. Donc, qu'est-ce que je disais ? L'éthique. Donc, pour rejoindre la petite question, une vérité scientifique peut-elle être dangereuse ? Non, c'est l'usage dans notre action, dans ce que nous allons faire avec ces connaissances-là, qu'on peut avoir un problème d'ordre moral. Et c'est là qu'effectivement, il faut vraiment se poser des questions. On est capable aujourd'hui de cloner un être humain. Halte au feu, il ne faut surtout pas faire ça. Alors c'est marrant parce qu'on peut cloner un animal, mais pas un humain. Mais pourquoi ? Alors j'ai lu un article ou un bout de bouquin ou je ne sais plus quoi qui disait bah, parce que ah non c'est pas un truc que tu m'as envoyé peut-être bref qui disait on peut tuer un robot mais pas un humain parce que la vie humaine est absolument unique, il n'y a pas deux fois la même personne qui va venir, donc il faut respecter cela. Bah, l'animal c'est du travail à la chaîne, hein, ils sont tous voilà. Tous ceux qui ont des chiens le savent, hein. T'as un chien, t'en prends un autre, c'est le même. Hein. Ah non. Donc, mais le schéma, c'est celui-là, c'est de dire, l'humain, quand même, il a quelque chose de sacré, parce qu'il y a cette raison qui est en lui, cette âme, immortelle peut-être, etc., etc. J'ai perdu mon lien. Ah oui, le clonage. Pourquoi on peut cloner des animaux ? Mais ça, c'est encore un écho à Descartes, hein. L'animal-machine et tout ça, donc on y va, allons-y, quoi. L'humain, ça devient problématique. Mais le transhumanisme passe par là et dit « Mais si, il faut faire ça, ainsi je suis immortel. Mon double est là, avec moi. » Bien, alors là, hein, je vais arrêter. Mais je voulais vous dire quand même qu'hier, avec ma conscience d'humain, je me suis dit, ouais, je vais essayer de faire un truc autour de l'IA, j'y connais rien, c'est pas mon rayon, tatata. Je vais quand même aller à Paris, au Grand Palais, voir cette exposition sur l'art et les robots. Et puis j'ai farfouillé pas mal aussi. Alors il y a des choses... Alors j'ai été étonnée, donc j'y suis allée en effet. J'ai vu un petit peu ce que les artistes faisaient de l'intelligence artificielle, entre guillemets. Et j'ai été très déstabilisée parce qu'il y a, alors j'ai oublié les noms, hein, mais tout est là, un musicien qui écrit de la, enfin qui n'écrit pas de musique en fait. Il fait des dessins comme ça sur des grandes feuilles, abstraits complètement. Ça ressemble à des séries, quoi, plus ou moins, mais il le fait à main levée comme ça. Alors il y a tout un système informatique, etc. Et puis après, on voit, on est devant un écran, le dispositif c'est ça, tu es dans une petite salle sombre,
Tu regardes d'un écran et tu vois défiler le dessin de ce monsieur. Alors des fois, tac, tac, tac. Tu comprends au bout d'un moment que ce qui est dessiné en haut, c'est dans les aigus, en bas, c'est dans les basses. Et puis, le son est complètement artificiel. C'est une machine, un ordinateur qui le donne. Eh bien, je vais vous dire, j'ai eu une émotion esthétique. Bah oui. Je dis, ah, mais... Il se passe quelque chose. Je sais pas, je vais pas dire que c'est beau. Je vais pas dire, mais il se passe quelque chose. Vraiment. Tu es... ça s'approche presque d'un état un peu méditatif, comme ça. Tout se suspend, quoi. C'est incroyable. Je me suis dit, ouais, c'est chaud quand même, du coup, tout ce que je raconte là, le sujet esthétique, machin, compatible avec l'IA, machin bidule. Sauf que j'ai été rassurée. Je me suis dit, mais enfin, Laurence, c'est un artiste qui a produit ça. Il y a donc de l'humain là-dedans. Enfin, quoi? Quoi penses-tu? Ah, j'ai dit, ah, ok, ça va. Alors là où, par contre, il n'y a pas d'humain, c'est, oui, il faut que je parle un peu des images qu'on a mises. Vous voyez ça, là-bas, qui de loin ressemble un peu à un Van Gogh. Et je pense que la machine a peut-être bien un Van Gogh dans sa mémoire, quelque part. Et on lui a donné la consigne de faire ce qui lui plaît. Alors, bon, moi, j'ai lu ça, mais j'ai oublié exactement quelle était la consigne. Mais en tout cas, ils ont appelé ça le rêve d'une machine, le rêve de l'IA, ou quand l'IA rêve. Donc, il n'y a pas de consigne, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de mise en rapport, il y a, voilà, on te lâche, fais. Et elle fait ça, la machine. Que vous regarderez de près. Alors, de loin, on dirait effectivement un Van Gogh. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu l'as mis, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu mets là-bas? Et en fait, c'était cette image. Vous allez voir, vous regarderez de plus près et vous reconnaîtrez la patte de l'ordinateur, de l'intelligence artificielle, dans la répétition à l'identique de certains traits. Et c'est ce qui est ce qui trahit la machine. Il n'y a pas d'imprévu. Alors on va dire, on introduit de la probabilité. On n'est plus tout à fait dans le truc binaire, là, oui, non. Il y a du peut-être qui s'introduit dans tous ces programmes. Ok, ça change quoi en fin de compte? Alors je vais vous montrer quand même d'autres trucs. J'ai acheté le catalogue hier. En disant, je ne peux pas revenir juste avec des mots, même s'il porte tout le reste, n'est-ce pas? Et donc, il y a quelque chose là, et puis tout le corps est métallique. Et alors le corps bouge comme ça tout le temps, et la bouche parle aussi. Et on voit défiler du texte que dit l'ordinateur, enfin la machine. Et puis elle, on la voit de temps en temps dans un écran, où elle dit, elle est folle, elle est folle. Elle dit, je suis moi, tu es, tu, je suis moi, tu es moi, tu es. Et moi. Mais t'as envie de l'éliminer. Je dis, attends, mais va jouer ailleurs. Quoi. Et donc, alors, j'ai appris aussi qu'elle faisait partie de ce mouvement transhumaniste. Pour elle, et du coup, j'ai repensé à cette sculpture, enfin, ce dispositif qu'elle met là, avec elle-même qui parle et qui dit des trucs comme ça. Bon. Mais elle devient immortelle. Il pense véritablement la négation de la mort. Ah, alors ça fait peur. Mais l'art peut-il faire peur? Mais s'agit-il encore de l'art? Ou bien la matérialisation de la folie, du dysfonctionnement d'un esprit humain qui a perdu la raison? Ou la manière de s'en servir, nous dirait plutôt Descartes. On ne perd jamais la raison, juste la méthode pour s'en servir correctement. Enfin, vous regarderez ça. Il y a eu des choses extrêmes. Un fou furieux, lui aussi. Alors lui, il fait des trucs, mais... Alors là, c'est soft, hein, parce qu'il y a juste son bras qui est remplacé par un bras mécanique, enfin, ça. Mais c'est un type qui se fait écorcher, tout ça. Ils ont des mœurs bizarres. J'ai vu d'autres choses, je me suis dit, wow, ça, je regarde même pas, au secours. Voilà, il y a un japonais, je crois que c'est un japonais. Il faut qu'ils interviennent sur eux-mêmes pour créer ça. Ah non, pas, c'est une autre démarche, mais c'est pareil. Le corps, le rapport au corps, hein. C'est toujours la question du rapport au corps. C'est pourquoi je pense que l'intelligence artificielle, ou le questionnement sur l'intelligence artificielle, ne peut pas se passer de penser ce rapport au corps, qui est fondamental. Parce que regarde, qu'est-ce qu'elle fait là, Roland? Elle crée un autre corps, un autre support.
Mais est-ce qu'un corps-machine suffit à être le support d'une véritable pensée, j'ai envie de dire, entre guillemets, authentiquement humaine, c'est-à-dire chargée elle aussi de sens, que l'humain en principe comprend, chargée aussi d'affect, donc de nos vécus également, de tout ce qu'on est. À chaque fois qu'on parle, qu'on a une idée, c'est nous dans notre intégralité, j'ai envie de dire, qui s'exprime et qui, pour arriver à cette idée-là, il y a toute notre histoire, il y a tout ça derrière. C'est ce qui fait notre humanité. Un robot, ou l'intelligence artificielle, n'a pas d'histoire, elle a des données qui sont fixes. Et sa souplesse vient dans sa capacité à établir ces liens entre toutes ces données à une vitesse absolument fulgurante, comme je le disais, et c'est ce que je trouve, moi, extraordinaire. Et vous regarderez ça, vous verrez, il y a des choses, mais vraiment assez étonnantes. Alors là, il y en a un, vous allez me dire, ben voilà, là, il y a un corps. Alors il a mis, ça c'est touchant, parce, et pourquoi ça nous touche? Parce que là, il y a une nature morte qui est présentée, et alors vraiment, elle renvoie à nos classiques quand même, hein. Bon. Et là, il a mis sur des petits pupitres anciens, d'école, d'enfants. Il y a un bras comme ça avec un œil, une caméra en réalité. Et puis ici, j'ai le petit ordinateur en dessous. Et là, il y a une transmission entre les deux et l'ordinateur dessine ce que l'œil regarde. Il reproduit, voilà. Et ça donne ça. Ça donne des choses étonnantes, hein. Il y a des grands panneaux comme ça qui sont dessinés par des petits robots, des petites voitures qui se baladent avec derrière leur feutre. Et puis donc là, peut-être c'est de l'aléatoire qui est utilisé, je ne sais plus. Mais bon, bah, ça fait des grands tableaux. Il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant, mais vraiment. Ça pourrait être du papier peint en fait. Alors là, par contre, il y a quelque chose qui se passe. Ça, vous regarderez. C'est des grandes colonnes en carton. C'est des couches de carton comme ça et qui sont découpées par l'ordinateur. Empilées comme ça, tac, 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 tac. Et ça fait des grandes colonnes qui doivent bien faire 2,50 m de haut. Le dispositif d'exposition est tout à fait étonnant parce que vous rentrez dans une pièce plutôt sombre et ce ne sont pas vraiment des miroirs autour, c'est un peu moins net que le miroir, mais enfin, ça se reflète dedans, donc on ne sait pas combien il y a de colonnes finalement. Mais je crois qu'il y en a 4 ou 6, pas plus. Et donc, ce sont vraiment des, on dirait des totems un peu, des sociétés archaïques comme ça. Et je me suis dit, mais du coup, ça me gêne encore une fois. Je dis, mais l'ordinateur, il est capable de faire ça? Ah non, c'est vrai, c'est un artiste qui lui dit ce qu'il doit faire. Donc déjà, il y a de l'humain. Et puis, il y a surtout l'humain, le spectateur aussi, qui est là, qui regarde ces trucs, qui dit, oh, on dirait, hop, référence à notre histoire, à nos souvenirs. Et puis, on colle des images sur ces colonnes. C'est-à-dire qu'en haut, on se dit, tiens, ah, ben, on dirait, quand on est un peu loin, on dirait une tête de chien. Ah tiens, ça fait penser à ce qu'on voit dans la basilique ici. Ah, on dirait une tête de je ne sais pas quoi. Puis quand tu t'approches, tu as une tête de rien du tout. C'est du papier comme ça. Donc tu projettes toi-même avec ton imagination des choses dessus et tu racontes l'histoire de ces colonnes qui sont, donc je ne saurais que trop vous... Ah oui. Et l'anecdote, et ça donne quelque chose de vraiment assez beau en réalité. Hein. Mais la beauté, c'est nous, hein. c'est pas l'objet. Hein. Donc moi, ça conforte Emmanuel Kant qui dit, quand je dis c'est beau, je donne un nom, un sentiment à ce que je ressens à l'occasion d'un objet. Et du coup, bah oui, on peut dire que ces colonnes en carton découpées par un ordinateur, bah, c'est beau. À ceux qui y sont allés, franchement, t'es touché, il se passe quelque chose. Oh, bon, bref. Alors, la petite anecdote aussi, parce que j'ai rencontré également une des conférencières qui est présente tout ce bazar, qui me racontait qu'il y a cet objet-là. T'arrives, t'as du béton au sol, d'un côté, ça c'est une espèce de truc, de mâchoire comme ça, défonce le sol en fait, en béton. Et, sauf que nous, quand on l'a vu, elle ne marchait pas. Elle était immobile comme ça, tu dis, ils ont oublié d'enlever le chantier précédent ou quoi? Non, elle est immobile, donc c'est moche. Et elle dit qu'une fois qu'il s'est produit la chose suivante, c'est que la machine fonctionnait. Donc elle expliquait la démarche de l'artiste, tout ça. Bon, moi, je ne vais pas là-dessus. Hein. Et à un moment donné, la machine, le bras s'est levé et s'est dirigé vers les spectateurs. Le bug. Et là, du coup... Tu réactives ta peur et tu te dis, bon sang, mais et si moi j'ai un robot chez moi, puis d'un coup il devient fou. Mais il ne peut pas devenir fou, il ne pense pas de toute façon. C'est un bug informatique, comme voilà.
Les virus aussi, ça aussi, ça peut faire peur. Tiens, et si on rentre des virus dans mon ordinateur et qu'on modifie son, ce pourquoi il a été pensé ? Il y a intérêt à blinder le truc. Hein. Ça aussi, ça fait peur. En fait, ce qui nous fait peur, c'est ce qui nous échappe. C'est ce qu'on a, on se dit, mais peut-être je ne maîtrise plus. Mais moi, ma voiture, enfin pas la mienne, parce qu'elle est vieille, donc ça va, je la maîtrise, mais les voitures modernes là, qui sortent, tu ouvres ton capot et tu as un moule de tu vois, il n'y a rien. Ces trucs comme ça, tu fais, oh, ça fait peur quand même. Mais non, t'inquiète, ça marche. Ah oui, et la voiture qui, enfin je ne sais pas, moi, tout peut se passer, hein, on est déjà dedans, quoi. Et donc oui, ce qui fait peur, je pense, c'est vraiment ce que nous ne maîtrisons pas, ce qui nous échappe, et ce qui nous fait dire, eh oui, et si mon robot devient fou, c'est aussi notre imagination. Parce que jusqu'à présent, on n'a rien vu. On n'a pas vu vraiment, à part son bras, là. Mais bon, c'est un artiste qui l'a fait. Si vous voulez, des fois, ils sont défaillants aussi, quoi. C'est normal. Ils sont des humains. Et, ah oui, puis elle racontait aussi, quand, toujours avec cette mâchoire, elle dit, alors, il y a eu ça, où le truc est parti vers le public, tu vois. Bon, ça, c'est moche. Et puis, elle dit, un matin, j'arrive, et la mâchoire était dans l'autre sens. Sur le dos. Et alors, notre côté un peu anthropomorphique dit, lui fait dire, c'était très marrant parce que je me suis dit la machine en a marre. On lui a dit de faire ça, elle manifeste déjà son désaccord quand d'un coup elle se dirige vers le public. Puis le machin, c'est un gros truc comme ça. Hein. Et puis là, ce matin, elle a dit carrément, moi je décède, pouf, à l'envers, comme la tortue. J'ai dit, mais ça c'est vraiment de l'histoire de l'humain qu'il raconte autour d'un objet finalement qui ne pense pas, qui ne comprend rien ce qu'il fait, quoi. Mais ça, ce sont nos projections sur les machines. Voilà. Bon, je rassure tout le monde tout de suite. Je ne suis pas du tout je ne vais pas soutenir la démarche de l'intelligence artificielle. L'objectif dans la petite présentation que je viens de faire, c'est de dire, de dédramatiser peut-être, de penser qu'effectivement, nous avons des peurs, qu'il faut qu'on réussisse à les penser, et que c'est à nous, de toute façon, qu'il va revenir d'utiliser d'une manière ou d'une autre, ou pas du tout, toutes ces nouvelles technologies. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien gentil de conclure comme ça, mais il n'empêche qu'il y a une force de manipulation dans toute l'accumulation de ces données, et on lit aussi des articles ou des analyses qui disent, ben voilà, le mouse grand Google qui est là, qui a une quantité phénoménale de données enregistrées dans son intelligence artificielle, qui est capable de déterminer ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, mais il détermine rien en réalité. Il va regarder ce que moi j'ai mis dans ma machine. Eh ben, ne le mettons pas. Voilà. En même temps, dire ça, ça n'a pas de sens non plus, parce que ces machines sont là et nous vivons avec elles, déjà, et depuis longtemps. Hein. Tout ça, ça a commencé dans les années 50. Rendez-vous compte, hein, ça a 70 ans, c'est pas d'avant-hier. Hein. Donc avec ce rêve comme ça de créer un humain, en fait, artificiel. Mais encore une fois, peut-on penser sans corps ? Moi, je n'y crois pas. Enfin, faut travailler encore un peu pour réfléchir à ça. Ok. Bon, ben, j'ai trop parlé, encore une fois. Je lance juste une idée. Essaye de comparer l'intelligence artificielle avec l'intelligence. Laquelle ? Naturelle, biologique ? Humaine. D'accord. Il y a deux façons de voir. On peut la comparer, ce que vous avez implicitement fait surtout, avec l'intelligence individuelle. Oui. Il y a aussi l'intelligence collective. Ça, d'accord. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est une autre idée que j'ai rajoutée. Elle s'interpénètre. Je vais me développer. On va en débattre, si vous voulez bien. C'est qu'en fait, l'intelligence artificielle est incapable, elle est puissante, extraordinaire, elle est incapable de sortir d'un paradigme qu'on lui a donné. Mm. Alors que l'intelligence individuelle et l'intelligence collective devraient pouvoir sortir, arrivent parfois à sortir des paradigmes qu'on nous impose, qui sont ceux de la vie courante. Alors, c'est pas toujours facile, et qu'est-ce qui nous en empêche ? C'est quoi un paradigme, on a dit ? Vas-y. Qu'est-ce qui nous empêche de sortir des paradigmes courants ?
C'est l'aliénation. Le paradigme, c'est comme une consigne, en fait, disons. C'est le tout. Ce sont des cadres de pensée. Hein. Voilà, ce sont des consignes de pensée. Donc une machine ne peut pas en faire. Et donc, l'intelligence, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence aliénée? Mais elle n'est pas aliénée puisqu'elle est en train d'émerger. Elle n'a rien, elle n'est rien. Elle ne peut pas sortir du paradigme. Et petit à petit. Mais c'est l'intelligence artificielle qui évolue dans un cadre que nous, nous lui avons posé. Voilà. Oui. On va peut-être manquer de matières premières pour fabriquer tous ces. Oui, ben, probablement. Probablement, mais est-ce que pour l'heure, hein, ces machines n'ont pas besoin d'avoir du. Oui, oui, oui. Mais on va ils vont trouver quelque chose. Il paraît que les Chinois, ils stockent tous les engins anciens chez eux. Et ils ont des grandes décharges. Où ils vont récupérer toutes les petites matières pour pouvoir fabriquer ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez, il n'y aura pas assez de matières premières. Mais on fera autre. Je pense qu'on fera autrement. On va trouver d'autres supports. Et pour l'instant, il y a quand même ce problème-là. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Je vous trouve désemparé de penser. Ah, moi j'ai découvert, je ne suis pas désemparée, je suis étonnée. Comment ? On est dans le balbutiement de la. Ben oui. 70 ans. On y ça fait 30 ans qu'on en fait. Non, 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 non. Ça fait 70 ans. 70 ans. 70 ans. Quand on a créé l'automobile, on n'imaginait pas qu'il y aurait des millions de personnes qui iraient à 150 à l'heure ou 120 à l'heure en permanence. On a été agi par ce système. Je crois qu'on est vraiment au début. Et on peut imaginer des choses qui vont très au-delà de ce qui existe actuellement. Autrement dit, qu'est-ce qui manque à l'intelligence artificielle ? Notamment, c'est la capacité de faire des erreurs. Ça, nous l'avons. Bon, donc, il faut la trouver. Et surtout, ce sont des choses créées, certes, mais nous aussi, on est créés. Oui. Donc, pourquoi ne pas imaginer que on puisse créer des choses qui fonctionnent comme nous, ou différemment, ben, c'est ce qu'on fait. Et avec les mêmes facultés, avec les mêmes capacités d'innovation, etc. On n'en sait rien aujourd'hui. Mais on ne sait déjà pas d'où nous vient notre faculté de penser. Parmi les questions qu'on peut se poser, on dit toujours, l'homme est unique, chaque homme est différent. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des machines qui seraient toutes différentes dans un développement ultérieur ? Moi, je crois qu'on n'a pas encore réellement commencé à penser les problèmes posés par l'intelligence artificielle. Je suis complètement d'accord et c'est pourquoi ma présentation n'est pas, comment dirais-je, inquiète, je ne sais pas quel mot. Non, c'est pas un reproche. Non, non, mais je suis dans l'étonnement parce que je vous avoue que si je m'y suis intéressée, c'est quand même grâce à vous, grâce au rendez-vous philo, parce que sur la petite feuille qu'on avait mis l'année dernière, en disant quel sujet vous souhaitez-vous qu'on aborde, il y avait les robots et l'intelligence artificielle. J'ai dit, bon, allez, ok, on va s'y coller, allons voir. Et bon, pour l'instant, c'est ça. Mais déjà, en commençant, je me suis dit, il va falloir en faire une deuxième pour aborder les choses encore sous un autre angle et peut-être davantage, enfin, s'orientant un peu là-dessus. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas encore, que je n'ai pas évoquée du tout, c'est la dimension prothésique possible, c'est-à-dire, plus exactement, que cette intelligence artificielle va pouvoir être implantée dans notre corps à la manière d'une prothèse. C'est-à-dire que je n'aurai plus besoin de mon ordinateur pour me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe au Japon, machin, je sais pas quoi, ou pour aller chercher des connaissances, ça sera déjà dans mon corps, à la manière d'une ce qu'on disait, une jambe de bois il y a 50 ans, ou que sais-je. Donc ça, là, du coup, on va dire, est-ce que je vais rester véritablement humain ? On te donne un outil pour aller chercher tes connaissances rapidement, bon. Alors, après, moi, ça ne me choque pas que nous soyons... On est déjà toujours pris par la technique. Simondon, au siècle dernier, disait déjà on est innervé par la technique. On est fabriqué par les techniques que nous produisons. Alors que la technique vienne s'implanter dans mon corps. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Eh bien, voilà pourquoi pas. Parce qu'en réalité, qui va décider de ce qu'il y aura dans ces puces ? À qui allons-nous les
dans quel cerveau est-ce qu'on va les, enfin dans quel corps on va les mettre. Hein. On va pas avoir un truc à l'école où sting, 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 tous les petits enfants, allez hop, vous avez le truc. Et son contenu, surtout. Là, d'un coup, tout nous échappe et on retombe sur les problèmes fondamentalement d'éthique. C'est là qu'on a un souci et c'est là qu'on se dit, mais il faudrait qu'on soit tous hyper calés en matière d'intelligence artificielle pour savoir être capable d'aller voir ce qu'il y a dans ces puces. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Là, il y a une vitesse qui nous dépasse, pour le coup, et qu'on n'arrivera pas à rattraper. Elle est mécanique, enfin, elle est artificielle. Et ça, nous... Et ça peut inquiéter. Ça peut inquiéter. Et le transhumanisme, en ce sens, est très inquiétant. Parce qu'ils ont un discours qui est la négation de notre humanité, l'immortalité. Non, mais vous imaginez un peu. Alors, on dit, bah oui, quand même, personne n'a envie de mourir et tout, on aimerait bien vivre un peu plus longtemps. Bah, je sais pas, en fait, hein, franchement, d'abord pour faire quoi? Déjà? C'est la machine qui va tout faire. Bah, enfin. Donc, si vous voulez, moi, je trouve que la succession des générations, les transmissions des savoirs, tout ça, sont des choses qui font ce que nous sommes. Si on arrive et qu'on me dit, tiens, je te mets une puce, tu vas voir, tu vas être calé, je sais pas, moi, je fais... Mais à quelle fin? C'est là que je trouve qu'on part dans des trucs, on se dit, oui, on va pouvoir le faire, oui, mais il faut trouver du sens, alors, il faut m'expliquer pourquoi on le fait. Hein? Moi, je vois pas. Je vois pas de sens. Ils veulent améliorer l'être humain aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette amélioration? Le fait que l'humain vive 300 ans plutôt que 80, est-ce que c'est vraiment une amélioration? Je veux dire, il y a un tel pourcentage de personnes, tu te dis, celui-là, ça aurait été mieux qu'il soit jamais né. Tu te dis, en plus, tu vas le faire vivre 250 ans de plus. Ah, mais au secours, quoi. Mais les manipulations génétiques et tout. Ouais. Pour faire un meilleur avec... Un meilleur, mais ça, on l'entend, hein, ce que c'est, hein, le meilleur. Hein. Allez, on va tous finir à rien, là, ou quoi? C'est quoi le délire? Mais faut... Enfin, je veux dire, c'est léger dans la manière de le dire, mais c'est ça, en réalité, ce qui fait peur. Et ce ne sont pas les machines, ce qui fait peur, c'est l'homme, encore et toujours. Tu l'as souligné tout à l'heure, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Donc déjà, dans l'utilisation que l'on en fait déjà à l'heure actuelle, on s'aperçoit que, d'une part, l'homme peut intervenir dessus et la rendre, du coup, agressive. Tu parlais des voitures autonomes, ce qui est bon. On est hacker, peut prendre le contrôle d'une voiture, par exemple. Mmh. En effet, mais il y a une voiture, il y a eu un accident, une voiture qui a tué un homme. Ouais, on dit une voiture a tué un homme, comme si elle avait une intentionnalité. Ça aussi, l'intentionnalité, tiens, on n'en a pas parlé. On lui avait dit de ne pas en tenir compte. C'était considéré, c'était un obstacle qui a survenu sur une route. Et donc son logiciel, elle l'a bien vu, et son logiciel lui a dit, tu fais comme si c'était un papier, un sac poubelle, donc surtout tu ne réagis pas, c'est pas grave. C'est la raison pour laquelle la voiture a continué à avancer sur la piétonne. D'accord, tu vois, c'est... Ouais. C'est spécial, là. Bah alors ça illustre parfaitement bien ce qu'on disait... La peur d'utilisation, parce que notre société... Attendez, si vous parlez tous en même temps, c'est mort. L'usage que l'on fait à l'heure actuelle du robot est un usage au profit de quelques-uns, ne nous le cachons pas à l'arrivée, et ne met pas en cause le schéma social dont tu parlais tout à l'heure qu'il faudrait peut-être transformer pour que justement les bénéfices réels du robot, qui en effet peut soulager l'humain de certaines tâches qui lui permettraient peut-être de faire des choses entre guillemets plus intéressantes, parce que ça reste à définir, mais disons que ce bénéfice-là ne retombe pas par ruissellement, comme dirait notre cher président. Il n'y a pas de ruissellement, c'est-à-dire que les gens qui en bénéficient au niveau de l'économie, soyons clairs, au niveau de l'argent, ces robots permettent à quelques-uns de gagner plus, ce que deviennent les hommes en dessous, on s'en fout un peu. Et donc là, il y a un schéma qui fait peur. Donc en effet, là, ça provoque... Et c'est encore l'humain. Voilà. Et la deuxième chose, je crois aussi, qui fait peur, c'est que on est incapable de définir aussi à partir de quel moment on a un sentiment humain. D'accord. Donc, en dehors des robots esclaves industriels, j'allais dire, on va aller vers sans doute des androïdes, ne serait-ce que pour la recherche technique, l'intérêt de la chose. Donc, on va donner de plus en plus de capacités à ces machines au départ, d'analyser des données,
mais de reproduire la physionomie d'un humain, c'est-à-dire qu'en effet, on va sans doute pouvoir leur faire prendre des intonations dans la parole, oui. Des expressions... Ça, c'est fait, hein. C'est fait. À partir de quel moment saura-t-on qu'une machine le fait de son propre fait et non pas en comparaison des éléments et des données qu'elle a reçues par les sens artificiels qu'on lui a donnés? Mais ça supposerait que nous parvenions, ce serait extraordinaire, que nous parvenions à fabriquer une machine qui a une faculté qu'on n'arrive pas du tout à identifier et que quelquefois on attribue à Dieu, par exemple, à savoir, mais cette pensée complètement abstraite, complètement, mais d'où vient-elle? Pourquoi? C'est quoi? Mais on ne le sait toujours pas. Alors, si tu veux, les biologistes, les neurologues disent, mais si, c'est de la connexion électrique. Il y a des mouvements, il y a des scientifiques qui disent, il n'y a rien d'autre. Ce n'est que cela. Mais alors expliquez-moi pourquoi y a-t-il de l'art? Alors j'ai oublié de parler de ça. Là, on avait choisi ces photos décapitées, enfin pas décapitées, décalotées plutôt, on va dire, parce que justement, moi je trouvais qu'elles représentaient assez bien, vous allez me dire, dans l'interprétation, mais les photos de Jeannine Mignot, là, moi je me dis, ah, elle parle un petit peu de l'enveloppe qui manque encore à l'intelligence artificielle pour qu'elle devienne un humain. On peut la lire comme ça et lui dire, voilà, ça va venir. Alors là, il y a des lettres, là, il y a des réseaux qui peuvent être de l'électricité, quoi, on peut dire. Et hop, ça va, on va te transformer en humain, peut-être. Eh bien, on peut le prendre à l'envers et dire, ah ben, tu étais humain, on t'enlève le cerveau et on va te remplacer ça par un système... une intelligence artificielle qui n'est plus la tienne. T'as plus ton vécu, t'as plus ton histoire, t'as plus tout ça, hein, donc voilà. Et puis les deux dessins, là, c'est un de mes fils qui est graphiste qui a fait ça, et quand je les ai vus, j'ai dit, qui d'ailleurs a été inspiré par les photos de Jeannine, a priori, et je lui ai dit, tu me les envoies, tiens, pour l'intelligence artificielle. Et alors là, la première, ici, celle-ci, je me suis dit, mais ça, c'est le rêve fou de l'homme. C'est-à-dire que je fais sauter toutes les barrières et dans mon esprit j'ai l'univers tout entier avec sa petite planète là et son truc. Je me suis dit ça y est, j'ai tout saisi, j'ai tout pris. Et la deuxième est un peu plus flippante par contre, parce qu'il y a ces espèces de lambeaux, ces espèces de trucs là, tu te dis ça, c'est plus le vol du, enfin moi hein, je dis, c'est le vol de ma pensée en fait qu'on m'a prise et que voilà. Bon. Et puis ce chef-d'œuvre donc produit par un ordinateur et dans le catalogue les productions des artistes. Ça, franchement, ça vaut le coup. Je crois que l'expo tient jusqu'au 7 juillet. Ça vaut vraiment jusqu'au 9 juillet. Ça, franchement, l'expérience de la musique, par exemple, ça c'est étonnant. Allez voir ce que fait Orlan. Là, on se dit quand même, parce qu'elle est dans cette dynamique transhumaniste. Hein. Et donc là, tu te dis, quand même, il y a des gens qui élaborent des choses étonnantes. Hein, ils traduisent beaucoup de choses, les artistes, en fin de compte, vas-y. Par rapport à la question qui a été évoquée tout à l'heure, concernant à partir de quel moment les machines auraient-elles des caractéristiques qu'on considère comme étant exclusivement humaines, l'intentionnalité, l'affect. En fait, les experts ont déjà répondu à cette question et ont même chiffré la date à laquelle on va parvenir à cette date des choses. C'est le moment où un humain, toi, au téléphone, sur quelque sujet que ce soit, dans quelque langue que ce soit, dans la langue maternelle, en l'occurrence, tu ne seras pas capable de distinguer si tu as un autre être humain ou une machine au bout du fil. Et à partir de ce moment-là, toutes ces questions de intentionnalité, est-ce qu'elle a bien voulu dire ce qu'elle a dit, est-ce qu'elle pense à tout ça, c'est bien un peu caduque, ou du moins un peu difficile à cerner. C'est un point à partir duquel, eh bien, on rentre dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui et on n'est pas, enfin, parce que on voit bien. Hein, ok, d'accord. De tout point de vue pratique, c'est comme s'il n'y avait pas de différence. Tu as quelqu'un au bout de fil et tu ne sais pas dire. Tu es incapable de dire. Si c'est une personne ou une machine. Et, ah oui, et d'ailleurs, ils estiment que ça va arriver dans une vingtaine d'années. Pas plus. Alors. Et auquel on fait les progrès. Eh bien.
Non, parce que je pense que parallèlement à ça, vont se développer, continuer à se développer les nouvelles technologies, où j'aurai, alors à ce moment-là, il faut me dire, oui, mais aussi peut-être un jour, tu auras quelqu'un en face de toi, tu ne sauras pas si c'est un robot, si c'est un humain. Alors là, oui, parce que là, tant que t'as juste le son, bon. Mais après, on va avoir des appareils dans 20 ans, j'imagine, hein, on se verra, ça existe déjà largement, hein, on est quelque part, ben, tiens, quand il y avait l'Expo Alix, Claude appelle son fils qui était aux États-Unis et elle lui dit, bah, attends, bouge pas, je vais te montrer l'expo. Puis avec sa machine, elle lui a montré tout ça, puis après elle discutait, ils se voyaient dans les petites machines, dans les engins. Donc il y a ça qui va suppléer ce problème, je pense, hein, à mon avis. Les autres technologies vont venir, mais alors du coup, il faut faire un pas de plus et dire, mais peut-être qu'on va arriver, effectivement, avec toutes les performances même de la biologie, la physique, toutes ces évolutions comme ça, à produire. On sait déjà faire pousser de la peau humaine sans peau, sans humain. Donc voilà, à peut-être réussir à faire un androïde, là, ou je sais pas quoi, qui ressemble véritablement à un humain. Et alors là, on fait quoi ? Quand effectivement, en face de toi, tu fais, alors t'es humain ou t'es pas humain, toi ? Et là, on est dans la SF, quoi. Mais ça, ils sont pas prêts de le faire, quand même, encore. Hein. Le son, je dis pas. Oui ? Moi, ce qui m'étonne énormément, c'est que le genre science-fiction anticipation a été très développé fin 20e siècle, et franchement, on participait tous, on était intéressés, et maintenant qu'on le vit, il n'y a plus ce genre littéraire. Il y a des séries télévisées, mais c'est beaucoup moins réfléchi, je trouve, que ce qui existait au XXe siècle. C'est juste une remarque. D'accord. La réalité dépasse la fiction, pas encore, hein. On a vu des... pas encore tout à fait. Hein. Mais si je peux me permettre, par rapport à ta présentation d'aujourd'hui, quand on a parlé d'intelligence, aujourd'hui, j'ai noté, tiens, on est quand même en train de parler de l'intelligence des arbres, donc on peut peut-être élargir un peu bien sûr. La notion. Oui. Et on pourrait presque se dire, tiens, il faudrait trouver un nouveau vocable pour désigner quelque chose comme une intelligence qui a comme support du vivant, au-delà du corps, du vivant. Et là, peut-être qu'on irait sur quelque chose qui ne relève pas de l'intelligence artificielle du tout, et on arriverait à définir, à dessiner une véritable distinction. Maintenant, tu dis, il y a deux secondes, tu parlais du corps et la possibilité qu'on aurait de produire un corps qui ressemblerait vraiment au nôtre, parce qu'il serait effectivement vivant, sur un plan biologique, quoi. Donc, du coup, cette nouvelle catégorie ne marcherait plus non plus, quoi. C'est très compliqué, c'est très étonnant. On a fini le sujet en disant, que nous arrive-t-il exactement ? En réalité, on ne sait pas trop, quoi. Comme tu disais, pour le moment, on ne sait pas très bien. Et une autre chose, un Indien qui a vu arriver les colons et qui était encore en relation très proche avec la nature, il a bien vu qu'il y avait un problème. Et qu'on avait un problème de relation à nous, à la nature, et à ce qu'on était en train de créer, et à la puissance que ça nous donnait. Il s'est dit, il y a un bug là. Et puis il y a des phrases très célèbres d'Indiens qui essayent un peu de recadrer l'homme dans ce qu'il est en train de faire. Mmh. Et en fait, la technologie, c'est la science qui nous permet de créer des super outils. Mmh. Et à ce titre-là, ces outils, plus ils sont performants, plus on les veut autonomes. Alors les gens qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est les programmeurs qui font des algorithmes, et de manière à rendre l'outil, alors quel que soit son domaine d'activité, par exemple, ça peut être la finance, autonome et capable de prendre des décisions en fonction de toutes les données ou en fonction de l'univers qu'il est en train de parcourir, de manière très complexe et très pertinente, et en fonction du résultat obtenu. Et donc, moi, j'ai bien aimé quand vous êtes revenu à Kant, parce que Kant, il nous dit, attention, vous avez, par rapport à toute cette puissance et la nature, votre relation à la nature, vous avez un devoir de morale, quoi. C'est, Et le gars qui fait ses algorithmes, aujourd'hui, il est tellement dans sa jubilation, qu'il est en train de nous dire, mais vous inquiétez pas, parce que mon algorithme, je le pense toujours en essayant de copier l'homme, et avec la pertinence du résultat à la fin, est-ce que ça me procure du plaisir ou du déplaisir? Et puis en même temps, quand il nous dit ça, on sait qu'il travaille pour Facebook ou un autre, et on se dit, non, il est en train de nous raconter des bêtises, parce que ce qui l'intéresse, c'est pas la même finalité, tout simplement. Parce qu'après, on a effectivement ces énormes gros groupes, Google, etc., qui arrivent et qui prennent possession de tout ça. Mais c'est la finalité qui est différente.
Effectivement, on peut être inquiet sur ces énormes surpuissances là, comme ça, qui maîtrisent tout, en fin de compte. C'est complètement bateau de dire une chose pareille, mais c'est l'économie qui détermine tout ça. Et puis, le clivage entre ceux qui ont tout, et notamment le pouvoir essentiellement économique, et puis nous, qui sommes là à nous dire « putain, il se passe quoi ?» Donc tout ça, c'est... mince, j'ai perdu le début de ma phrase, c'est moche. J'ai perdu. Je te voulais dire quelque chose. Oui, moi, je me suis interrogée sur le fait de savoir ce qui nous faisait peur, tout ça. Oui. Et bon, j'ai l'impression que de plus en plus, avec la technique, notamment notre ami Google, etc., les jeunes communiquent de moins en moins. Moi, je constate des adolescents qui se téléphonent pour être ensemble, pour passer leur soirée sur leur écran, et ne absolument pas se décrocher de nous. Donc, en fait, la technique qui est un support devient un empêcheur de communiquer avec l'autre, et donc de faire évoluer et élaborer sa pensée collective, justement. Et ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques travaillent sur le fait que les robots puissent communiquer ensemble et s'apporter ensemble. Mmh. Et c'est cette distension-là qui me fait peur. Mmh. C'est-à-dire que les robots puissent communiquer entre eux, tu veux dire ? Oui. Mais ce qui fait peur aussi, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Bien sûr, c'est ce qu'on ignore. Mais moi, je pense, alors juste pour répondre après, c'est ce que je pense, c'est que on est un peu désarçonné, quoi, parce que d'abord ça va super vite. Tous les jours, tu as de nouvelles infos qui arrivent, ils ont réussi à faire ça, et puis ça, et puis ça, et tu te dis, ça s'emballe. Et donc, forcément, tu ne sais pas très bien comment te positionner. Et on l'a déjà évoqué, par exemple, avec le téléphone portable, qu'est-ce qui s'est passé avec l'informatique, Internet, qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous a complètement échappé. Et aujourd'hui, on constate qu'il faut peut-être réajuster deux, trois petites choses. Et il y a énormément... Moi, je ne suis pas trop inquiète parce que quelque part... Enfin, si, je le suis, mais je veux dire, en même temps, il y a toujours une chose qu'on passe sous silence. On met toujours en évidence les pouvoirs financiers, politiques, les choix qui sont faits et qui nous échappent complètement, etc., etc. Mais il y a des choses qu'on ne met pas en évidence ou pas assez. Alors, j'ai partagé, pour ceux qui l'ont éventuellement sur FB, c'est une petite vidéo de 3 minutes d'une instite en France qui a construit des formations pour ses petits élèves pour leur apprendre à utiliser Internet et à détecter la vraie information d'une désinformation et les vraies images de fausses images. Alors pour l'instant, ça marche parce qu'elle leur montre des images, donc elle dit est-ce que c'en est une vraie, est-ce que c'en est une fausse ? Analyser, chercher dans les fausses images, il y a toujours un petit truc, un montage qu'on aperçoit. Donc on voit les enfants qui sont là, qui réfléchissent, enfin c'est vraiment, elle fait un boulot. Et je pense que c'est pas la seule. Je pense qu'il y a aussi, il faut jamais oublier qu'on est des vivants, qu'on a une conscience, qu'on a une intelligence aussi, humaine certes, mais c'est la nôtre, et qu'il y a en nous, je pense, hein, et je parle du collectif là pour le coup, mais qui en appelle aussi à l'individuel, hein, une capacité de résistance en lame de fond qui est une réalité et qui peut porter en partie le nom du monde associatif, qui peut porter en partie et en partie seulement le nom de certains enseignants qui œuvrent justement sur la jeunesse en essayant de provoquer des prises de conscience ou de compréhension de ce qui se passe. Mais nous, c'est super difficile parce qu'on est au début de tout ça. Donc dire, attention, il faut mettre une balise ici, il faut mettre une balise là. Des fois, on rencontre des parents, interdit absolument, complètement l'accès à l'Internet et tout. Tu ne peux pas faire ça. C'est impossible de faire ça parce que c'est là maintenant. Tu vas tout faire via Internet. Tu vas faire tes courses, tu vas faire tes trucs, tes machins, tout. Donc, il faut... Mais moi, je pense que ça se crée. Il se crée. Regardez un petit peu les rendez-vous philo. On est là, 35, à réfléchir à ceci, cela. Mais des réunions comme celle-ci, des rencontres comme celle-ci, pas des réunions, des rencontres, il y en a partout. Enfin, je pense qu'il y en a partout où on se dit, bon, OK, qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si ça ne s'appelle pas du lien social, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc... Alors, on va dire, mais la plupart des gens qui sont là, c'est quand même vachement dégrisonnant. C'est moche, hein. Tu vois, oui, c'est moche. Mais
Il y a ailleurs, il y a des plus jeunes, il y a des... Et moi, je vois les jeunes profs de philo, et les jeunes profs en général, ceux qui ont 30, 35 ans, mais sont d'une... Ils ont une posture, quelque part, qui, moi, me rassure quand même un petit peu. Parce que justement, ils ne sont plus dans le discours des anciens, des « ouais, évidemment, avec leur téléphone portable, Internet, machin, de toute façon, ils savent plus se concentrer, ça peut... » D'accord. Mais eux, les 30 ans, là, sont nés aussi avec. Donc, d'un coup, ils ajustent, ils comprennent mieux que nous ce qui se passe et ils ajustent plus facilement les choses. Et au moins, ils se posent la question différemment. Parce que les anciens, c'est ce qui est agaçant, c'est du genre « ah ben, ils savent plus se concentrer, ok, alors tu fais quoi ?» Ah ben, tu dis « mais c'est des nains, ils savent plus parler, plus écrire, ils pensent pas, c'est n'importe quoi. » Et tu fais quoi, toi, dans ton rôle ? Alors il y a ça, il y a les parents aussi, mais c'est plus dur. Les grands-parents. Mais les grands-parents sont comme moi. En ayant là, les petits, voilà, les petits-enfants, là, quand ils me prennent le téléphone de leur mère pour me montrer un truc. « Mais si, mamie, regarde. Zou, 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 zou. Wow, 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 va doucement, là, parce que j'ai pas tout vu. » C'est ça. Donc je pense qu'il va y avoir un réajustement, comme toujours. On peut prendre l'exemple des mouvements féministes. Ah, on est parti à fond là-dedans, ta-ta-ta, et puis on réajuste après. Donc, moi, j'ai envie de dire, restons confiants, ayons confiance en l'humain et son intelligence. J'arrive. Concernant ce qui a été dit sur la peur de machines qui communiquent entre elles, oui. Ça me rappelle un film dont on m'a parlé, hein, je ne sais pas regarder, mais un film de science-fiction qui aurait eu lieu dans les années 50, où il était question d'une guerre nucléaire qui allait déclencher entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et donc, question de point de lancer des missiles. Hein, donc, et de détruire le monde. Et le monde. Et pour des questions évidemment d'intérêt personnel, des questions évidemment politiques, questions évidemment humaines. Hein, et ce sont finalement les ordinateurs responsables du système de pilotage qui était automatisé des armes atomiques des deux côtés, qui sont parvenus à communiquer entre eux et qui ont désobéi l'ordre. Hein, d'accord. De lancer des missiles l'un contre l'autre. Et la guerre a été avortée comme ça. Grâce aux machines. Donc, grâce aux machines. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est marrant parce que c'est vrai que. C'est amusant parce que ça leur donnerait. On peut éventuellement être optimiste par rapport à ce qu'il y a. Oui, éventuellement. Elles vont nous empêcher de faire vraiment n'importe quoi. Un témoignage personnel. Vas-y. Un témoignage personnel de ce matin. J'ai une voiture. Oui. Il y a un ordinateur qui m'envoie des messages sur le tableau de bord. Il y a un message qui revient tout le temps, c'est « révision, la voiture doit être révisée tous les 30 000 km. » Donc, « révision dans 25 000 km. » Révision dans 25 000. Révision dans 22 000. Je pense que cet ordinateur est pervers. Oui, ce matin, je le pense aussi. Qu'est-ce que je lis ? Révision à prévoir. Sans aucun autre renseignement. D'accord. Et je suis mal. Ah. Renseignement. Qu'est-ce qui se passe ? Et quelqu'un peut peut-être me répondre d'ailleurs. C'est une amie. Mais vraiment, je ne peux pas tout à fait ça. L'ordinateur, il est comme ma femme. Elle me dit la même chose tous les matins. Non, mais écoute. Non. Est-ce que je. Quelqu'un a vu cette expérience passer de révision dans 24 000 à révision à prévoir, ce qui est extrêmement angoissant. Bon, donc en fait, elles ont un effet, mais c'est pervers comme tu dis. Pourquoi ? Quel intérêt de te dire tous les 1000 km qu'il faut faire ta révision ? Dans 25 000, 24 000, si on te prépare à l'angoisse. Parce que qu'est-ce que tu vas faire quand je te dis révision à prévoir, tu vas fond. Déjà, tu te demandes, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Et tu vas faire quoi ? Tu vas aller chez ton garagiste. 60 euros pour foutre l'ordinateur. Voilà. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Il va 60 balles, il va te dire, non, c'est bon, demain, il va vous dire révision dans 22 000. Là, il y a l'aspect pognon qui est extrêmement important dans ce dont on parle ce matin. Bien sûr. L'aspect pognon dans un premier temps. Oui. Et l'aspect dictature dans un premier temps. Oui. Mais c'est la dictature du pognon, de toute façon. Et les alertes oranges pour la météo, qui sont pas un peu. Oui, non, mais c'est. Mais oui, c'est anxiogène. Mais ça ne vient pas de l'intelligence artificielle. La dimension anxiogène des sociétés qui
Vous savez, quand on dit la peur, la crainte, hein, ça laisse les gens bien calmes. Analysez deux minutes. Regardez-les, là, les deux, là. Non, mais je rêve. Regardez. Bon, les garçons, on fera la mécanique après. Vas-y. Oui, alors je voudrais rajouter une plaisanterie, ou ce n'est peut-être pas tout à fait une plaisanterie. Vous savez, les robots Android, on dit c'est pour le futur. En fait, il y a très longtemps que c'est déjà en route. Et ce matin, j'ai décidé, je fais mon coming out. Je suis un robot Android. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais prouvez-moi le contraire. Pareil, moi, j'ai prévu que je viendrai avec mon clone. J'ai prévu que je viendrai avec mon clone, piloté à distance. Oui. Moi, j'ai un problème, encore au-delà du vôtre, parce qu'il est tellement élaboré que je ne sais pas qui est venu. Voilà. Là, c'est une œuvre d'art, là, vous venez de vous faire. Je crois que ce qu'on vient d'entendre, là, il faut ouvrir un asile. Parce que... Non, mais c'est... Mince, je ne sais plus, moi, où j'étais partie, là, avec... je ne sais plus, mais bon, voilà, en tout cas, je trouve que c'est sympa comme... comme sortie. Hein, les clones humains, je pense qu'on va en faire un jour ou l'autre. C'est uniquement une question d'usage. Hein. Peut-être pas d'humains, mais des organes, oui, sûrement, parce que déjà, ça serait plus simple. Bon, pour continuer, tu voulais dire quelque chose ? Chut ! Sans parler de clones, je vais raconter une expérience qui m'est arrivée. Je suis humaine, je ne suis pas un clone, je suis moi. Mais des fois, c'est un peu problème. Dans mon travail, je travaille par téléphone et on a un certain nombre de phrases paramétrées. Je suis obligée de les lire, sinon à la fin de la journée, je me fais remonter. Et certainement qu'à la fin de la journée, à force d'avoir répété la même chose, je devais avoir une voix un peu lasse. Et la dernière cliente que j'ai eue, il m'a dit « Vous êtes un robot ou vous êtes vrai ?» Ouais. J'avais été paramétrée, en fait, depuis des années. Ouais. Et ce jour-là, certainement, j'avais esprit ailleurs. Et... Le renvoi de ce que tu es, tu te dis « Waouh !» J'ai été paramétrée. Oui, mais on l'est tous. Hein. Oui. Mais c'est pourquoi, en même temps... On a ce pouvoir de résistance. Et le système, voilà. Mais j'adore votre sortie, messieurs, vous avez été parfaits. Ah!